Salut à tous, c'est Illusion. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous annoncer la nouvelle mage et surtout le retour de la FIA dans Gran Turismo Sport qui va arriver à l'heure là où je tourne, c'est demain. Là, vraiment, la FIA reprend demain, mercredi 20 juin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va être génial, tout simplement, parce qu'il y a aussi l'arrivée de l'e-sport officiel sur Gran Turismo. Ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que moi, je suis un gros fan d'e-sport, voilà. Et c'est génial que ça arrive sur Gran Turismo. Je pense que ça va redynamiser le jeu et ça va être fou, tout simplement. Juste pour information, les finales. Donc déjà, je vais premièrement parler du retour des FIA. Les FIA, donc ce sera le 20 juin. Donc le mercredi 20 juin, le samedi 23, le mercredi 27 et le samedi 30. Il y aura 4 manches pour la saison 2. Et pour la saison 3, qui elle sera beaucoup plus longue, elle durera donc le 4 juillet, 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 28. Donc vous l'avez compris, ce seront tous les mercredis et samedi 2 juillet. Ensuite... D'ailleurs, c'est étonnant, il y aura, en fait, la saison 2, il y aura deux top 24 superstars, le 14 et le 28, donc ça concerne les gros joueurs. Voilà. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui me regardent, malheureusement. Non, je rigole. Mais voilà, au cas où, s'il y en a un qui me regarde, qui joue pour une place en finale, on ne sait jamais, ça peut intéresser les gens. Ensuite, donc il y aura plus de saison, après il y aura donc la finale des saisons, qui se déroulera donc en août et en septembre. Ce sera un mois complet du 8 août au 8 septembre. Donc on aura le 8 août, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 1er septembre, 5 septembre et 8 septembre. Donc je pense qu'il n'y a pas que les... Ce sera plusieurs jours différents, contrairement aux saisons classiques, on va dire. Et ensuite, en live, il y aura donc les finales en octobre, si je ne me trompe pas, en live. Donc c'est complètement fou. Voilà, c'est ça, en octobre, donc il y aura les finales pour l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Et ça va être intéressant parce qu'on va enfin pouvoir voir le niveau des Américains, même si quand même pas mal d'Européens le connaissent, qui sont déjà affrontés. Mais surtout, le niveau des Asiatiques qu'on attend avec impatience. Surtout les joueurs européens et américains qui jouent à ce niveau-là, parce qu'on les connaît pas vraiment. On sait juste qu'il y a Double Weapon qui est complètement énorme, enfin, vraiment quand on regarde les temps qu'il fait, voilà, c'est l'un des meilleurs. Pareil pour El Shooter, pour ceux qui le connaissent. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire en course et qui sont les autres, parce qu'on les connaît pas. Et ça va être très intéressant à voir, je pense. Avant, bien sûr, les premiers World Final de Gran Turismo Sport en novembre, donc ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou là, ces grandes vacances. Ça va être très. Il va y avoir beaucoup de challenges et ça va être complètement fou. Là, je le dis d'où soit le mot fou, mais ça va vraiment être génial. Je suis très pressé. Donc voilà, je vais vraiment faire une vidéo très rapide, hein, juste pour vous dire qu'il y aura une mise à jour, enfin il y aura une maintenance le mercredi 20 matin, demain, donc à l'heure où je tourne et où je poste cette vidéo. Et vraiment, j'espère qu'on se retrouvera sur la piste. Malheureusement, à cause du bac, je ne vais pas pouvoir faire les premières manches, donc la manche du 20. Moi, je commencerai à partir du 23. Rappelez-vous que le 23 également, je vais caster le Megane Trophy by TFPV, la première manche, la manche d'ouverture sur Brands GP en monomodèle avec des Megane. Groupe 4, Trophy bien sûr de 2011, et ça va être sympa. Et voilà, donc j'espère que ces nouveautés vont vous plaire. On se retrouvera très vite sur la piste. Et bien sûr, pour ceux qui auront compris pourquoi j'ai mis cette voiture en référence, pour information, je suis fan de Alonso, voilà. En attendant, j'espère que ça vous aura plu, que surtout cette mise à jour vous plaît, c'est plus ça. C'est pas une mise à jour vraiment, c'est plus la reprise de la FIA, voilà. J'espère que ça vous plaît, que vous étiez pressé. Et donc moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, salut.